Le télescope Webb révolutionne l'astronomie, c'est la une du Figaro aujourd'hui. Bonjour à tous, ces photos ont été dévoilées hier par la NASA et on vous prévient, c'est vertigineux. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Cyril Vandenberg, rédacteur en chef du service science du Figaro. Bonjour Cyril. Bonjour Vincent. Bonjour à tous les internautes qui nous rejoignent pour notre émission Science J+1. Tout au long de ce live, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser vos questions, on essaiera d'y répondre au mieux. Et on va montrer un peu toutes ces images qui sont magnifiques, ces images qui ont été dévoilées hier, alors ça a commencé dans la nuit. On va tout regarder, tout comprendre, essayer d'être le plus pédagogique possible, essayer de tout comprendre, parce que personnellement, moi, j'ai arrêté les cours de physique assez tôt. Donc voilà, on va essayer de savoir un peu ce qu'on voit sur ces photos, pourquoi les scientifiques, parce qu'il y a ça, j'ai l'impression que les scientifiques, là, ils voient, ils trouvent que c'est magnifique ce qu'on a découvert, et ils sont un peu... Il y avait une expression dans le papier du jour, ils sont comme devant un sapin de Noël. Oui, c'est ce que dit Didier Queloz, prix Nobel 2019, qui est l'astronome suisse qui a découvert les exoplanètes. Il a dit, on est aujourd'hui comme des enfants le jour de Noël, et en fait, tous les astronomes à qui on parle, ils sont hyper excités. Et d'abord, en fait, ils ont le même choc esthétique que nous quand ils voient ces images, ils trouvent ça magnifique, et eux, en plus, ben, ils arrivent à y voir de la science, et donc ils voient le potentiel de découverte que ça annonce. En fait, on a quatre images, et ces quatre images, déjà, elles nous disent que dans des champs très très variés de l'astronomie, eh ben, ça va tout changer. Il y aura un avant et un après le James Webb. C'est vraiment un télescope qui ouvre des potentiels incroyables pour l'astronomie moderne. Et c'est pour ça que les scientifiques sont hyper excités. Et on va regarder ça, les images, une à une. Je salue HW qui nous rejoint, Jojo Pedro qui nous dit « Il n'y a personne qui parle, on vient de démarrer, c'est pour ça, vous étiez sur l'écran d'attente. » Mais vous n'hésitez pas à continuer à nous suivre et à poser vos questions. On va peut-être commencer par la toute première photo, celle qui a été diffusée hier. Alors, elle a été diffusée lundi soir. Lundi soir dans la nuit. Oui, en fait, assez tard, c'est Joe Biden, donc le président des États-Unis, qui a un peu court-circuité le plan com de la NASA. Et qu'au dernier moment, il a organisé une conférence de presse à la Maison-Blanche pour présenter la première image, avec presque 24 heures d'avance sur le plan de la NASA. Et cette première image, en fait, c'est plus qu'un symbole, c'est l'image la plus profonde de l'univers qu'on ait jamais réalisée dans l'infrarouge. On va peut-être en reparler, mais l'infrarouge, c'est ce télescope Webb, en fait, il ne regarde pas dans le visible comme nous. Il regarde des longueurs d'onde un peu plus lointaines qui sont au-delà du rouge, donc on appelle ça infrarouge. Et l'avantage de l'infrarouge, c'est que ça permet de voir plus loin dans l'univers, des galaxies qui s'éloignent, des galaxies qui rougissent. Et on voit sur cette image, en fait, il y a plein de choses. C'est incroyable. On pourrait passer des heures à rien qu'à la commenter. Enfin, j'ai passé du temps avec un spécialiste du sujet pour qu'il me explique ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre. On voit plein de petites taches lumineuses, et chacune des petites taches lumineuses sur cette image, c'est une galaxie. Est-ce qu'on peut expliquer déjà ce que c'est une galaxie? Oui, c'est le plus important en fait. Une galaxie, c'est un regroupement de milliards d'étoiles. Nous, on en connaît une, le Soleil fait partie de la Voie lactée, donc c'est notre galaxie. La Voie lactée, c'est ce qu'on voit là pendant les ciels d'été, quand le ciel est vraiment assez pur, on voit une grande panache blanc dans le ciel. Et tout ça, c'est des milliards d'étoiles qui nous entourent et qui forment un grand disque avec une spirale. On a peut-être vu des images de galaxies assez classiques avec ces spirales qui s'enroulent. Il y en a plein sur cette image. Il y en a une bleue en haut à droite là, qui est une spirale assez bien détaillée. En fait, l'étoile, notre Soleil, c'est un des 100 milliards d'étoiles de notre galaxie. Et là, ce qu'on voit, sur cette une seule image, on voit des milliers de galaxies. Donc là, si on zoome à cet endroit-là, voilà, ça c'est la galaxie qu'on voyait. Ouais, ça c'est une galaxie spirale qui est vraiment très typique de celle dans laquelle nous on vit, la Voie lactée. Et donc notre Voie lactée, elle contient 100 milliards d'étoiles. Celle-là, je ne sais pas combien elle en compte, je n'ai pas compté, on est incapable de le dire, mais c'est au moins plusieurs milliards. Et vous avez et les autres petits points lumineux sur l'image, ce n'est pas des artefacts, ce n'est pas des étoiles, ce sont elles aussi des galaxies très lointaines. Donc chacune de ces galaxies comporte des milliards d'étoiles. Autour de chaque étoile, il y a au moins une planète. Je vous laisse faire le décompte. C'est juste, déjà, on est dans l'infini. C'est comme si là, on se dit, la Terre, par rapport à ça, qu'est-ce que ça représente? La Terre, par rapport à ça, c'est rien du tout. Oui. Enfin, notre Soleil, la Terre, elle est déjà toute petite à côté du Soleil. Le Soleil, il est un des petits points lumineux sur une galaxie qui était au milieu de milliards d'autres. Enfin, ça donne le vertige.
Mais le plus intéressant sur cette image, en fait, c'est pourquoi la NASA, enfin les scientifiques ont visé ce coin du ciel, c'est pour une raison assez précise, c'est qu'on voit au milieu, au centre, on voit quelques galaxies qui sont plus brillantes, qui sont plus blanches. Voilà, celle-là, il y en a d'autres aussi. En fait, toutes les galaxies blanches, elles font partie de ce qu'on appelle un amas de galaxies. C'est un regroupement de galaxies qui sont reliées entre elles par la gravitation. Donc elles s'attirent les unes les autres et elles restent ensemble dans un grand voisinage. Et cet amas, il a une masse colossale qui fait un effet de lentille. Alors là, c'est la physique un peu pointue, un peu costaud, parce qu'il faut appeler Einstein. Einstein, il avait expliqué que la masse était capable de courber la lumière. Et donc en fait, la masse de cet amas de galaxies, elle est tellement énorme qu'elle réussit à courber la lumière de galaxies encore plus lointaines. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde ces galaxies, la lumière ne nous parvient pas directement? Ouais, en fait l'amas, il fait comme une loupe ou comme la lentille d'un grand télescope, d'une grande longue vue, et il rend visible au premier plan des galaxies qui sont hyper lointaines, qui ont émis leur lumière il y a plus de 13 milliards d'années. Et donc, c'est les arcs lumineux qu'on voit sur l'image. Ce n'est pas des défauts de l'image. On les voit, ces arcs qui sont un peu rouges. Mm. Et ce rouge, il indique d'ailleurs que c'est les galaxies qui sont lointaines, qui sont bien plus lointaines que celles qui sont en blanc au premier plan. Et donc, ces arcs, c'est la déformation par l'attraction de la masse de cet amas en fait, ça fait un effet de lentille. Les astronomes appellent ça une lentille gravitationnelle. Et ça permet de voir des objets qui seraient, même avec le James Webb, invisibles, en fait. Donc ça amplifie leur lumière, ça les rapproche au premier plan, mais ça les déforme. Donc si on zoome un peu en arrière sur cette image, on verra qu'il y a des dizaines, des centaines d'arcs. De petits arcs rouges, comme on voit ici. Voilà, les petits arcs rouges, il y en a vraiment plein. Et chacun de ces arcs, c'est la lumière d'une galaxie, donc comme une spirale qu'on a vue tout à l'heure, mais qui a été déformée. Et c'est des galaxies qui sont les plus lointaines, parmi les plus lointaines qu'on ait jamais vues. Donc, quand on parle lointaines, alors on va arrêter de parler en kilomètres, parce que là, on n'est plus là-dedans. On est sur des années-lumière. Et là, ce qu'on voit, c'est à 13 milliards d'années-lumière. Oui. En fait, une des galaxies, un des traits déformés en rouge, a été mesurée par les scientifiques à 13,1 milliards d'années-lumière. En fait, l'idée, c'est que la vitesse de la lumière, elle se déplace hyper lentement. En fait, c'est ça, c'est quelque chose, c'est juste 300 000 km par seconde. Et donc, juste nous, le Soleil qui est... Lentement, bien évidemment. Mais oui, à l'échelle de l'univers, c'est hyper lent. Le Soleil, la lumière du Soleil, elle met 8 minutes pour nous parvenir. Pour la lumière qui arrive de Mars, c'est une demi-heure. Et donc là, pourtant, c'est des planètes qui sont hyper proches. La plus proche étoile du Soleil, c'est 4 années-lumière, donc c'est la lumière, mais 4 années pour ne pas revenir. Là, la lumière de ces galaxies, elle a mis 13 milliards d'années à arriver jusqu'à nous. Et 13 milliards d'années, c'est pas très loin de l'âge de l'univers. On le sait qu'il est autour de 13,8 milliards, le Big Bang, le début de tout ça, c'est 13,8 milliards d'années. Donc c'est des galaxies qui sont dans ce qu'on appelle les premiers âges de l'univers. C'est quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Il y a eu une première génération d'étoiles, des premières étoiles qui se rassemblent, qui se regroupent, et ça forme les premières galaxies. Et c'est ça qu'on commence à voir avec le James Webb, avec juste cette première image, qui est, les astronomes parlent d'un champ profond, parce qu'on voit très loin. Donc, et on voit dans le passé, on voit très loin. Enfin, quand on regarde, comme la lumière a mis énormément de temps à nous parvenir, en fait, ce qu'on regarde, c'est les étoiles des galaxies qui sont hyper vieilles. Donc, en fait, on voit ces galaxies un peu avant le Big Bang. Après le Big Bang. imaginons que sur cette galaxie, les gens fassent la même chose que nous, ils nous verraient aussi... à une époque où il n'y avait pas grand-chose sur Terre. Alors là, ils ne nous verraient pas parce que notre étoile, le Soleil, il a 4,5 milliards d'années. Donc on est arrivé deux tiers après l'âge de l'univers. Alors, il y avait une vidéo très intéressante que je vais essayer de vous passer maintenant. C'est la vidéo qui est là pour montrer en fait... ce qu'on voit sur cette image. Oui, parce que le champ de vision du télescope, il est incroyablement réduit. Donc ça, c'est la photo qu'on voit. Ouais, on part de ça, et on dézoome. Et donc on voit plein d'étoiles. On voit des grosses étoiles proches, donc là, qui apparaissent en rouge. On dézoome. Et là, on se rapproche, une galaxie proche et un coin de la Voie lactée. Et là,
C'est quelque chose dans le ciel qui fait quelques dizaines de degrés sur le fond du ciel. Et pour voir la zone du ciel qui a été pointée par le télescope, c'est comme si on tient une aiguille à coudre, une aiguille de, oui, à coudre au bout du bras, et on regarde à travers le chat de l'aiguille. Et on regarde à travers le chat de l'aiguille, c'est la partie du ciel qu'on voit. Donc on voit des milliers de galaxies sur cette petite image qui représente pourtant une partie, mais infime, de tout le ciel. Donc c'est pour donner cette idée de vertige. Enfin, c'est impossible de pas se sentir minuscule quand on voit ces dimensions. Oui. Par rapport à ça. Jokos qui nous dit, on regarde une photo qui a 13 milliards d'années, c'est amusant effectivement. Enfin, alors, pas tous les éléments. Pas tous les éléments. Ceux qui sont au centre, ils ont 4 milliards d'années. L'amas qui fait la lentille, donc qui fait cet effet de loupe gravitationnelle, lui, il est à 4 milliards d'années-lumière. Alors, j'ai une question de HW qui me dit, mais comment la masse peut-elle être déformée à la lumière? La masse fait que la gravité est modifiée et donc les photons sont attirés? Oui, c'est ça. C'est la trajectoire des photons qui est attirée par la concentration de masse. Et dans la culture populaire, l'effet le plus extrême de ce phénomène, c'est le trou noir. Le trou noir, c'est une attraction gravitationnellement tellement forte que la lumière n'arrive plus à en sortir. Et donc, elle est piégée au centre du trou noir et on ne voit aucune lumière qui en sort. Et ça en fait cet objet si particulier dans le cosmos. On en parlera aussi tout à l'heure parce que je crois qu'on va réussir à voir un bout de trou noir. Oui, sur une des images, c'est une des surprises. Sur une des images. Jojo Pedro qui nous dit donc il y a forcément d'autres créatures, il est impossible qu'on soit seul. Ça, c'est le côté vertige aussi. Hein. Oui. On n'est pas grand-chose et on pourrait se dire qu'avec tout ça, il y a bien une autre civilisation quelque part dans le coin. Mais le problème, c'est qu'il va falloir réussir à rentrer en contact un jour ou l'autre avec. Oui, contact ou même détection. Enfin, on va en parler un petit peu plus tard, mais ça fait aussi partie des découvertes qu'on attend avec le James Webb. Il va observer des planètes, des exoplanètes, et mesurer l'atmosphère qui les entoure. Et notamment, il y a un programme qui est hyper intéressant, qui cherche à mesurer l'atmosphère autour de planètes qui sont rocheuses, autour d'une petite étoile, des planètes qui sont assez proches de la taille de la Terre. Mais ça, on en parlera plus tard, parce que c'est vrai que c'est un espoir incroyable. Si on arrive à détecter de l'eau ou des conditions, une atmosphère avec des conditions propices à l'apparition de la vie, on se rapproche d'une compréhension, d'un moment où on va peut-être voir des planètes habitables, d'autres planètes habitables. Effectivement, Joe Pedro qui nous dit, c'est quand qu'il compte envoyer des fusées capables d'aller très loin pour voir s'il y a d'autres vies. Le problème, c'est que c'est toujours compliqué. Il y en a les limites de la physique qu'il faut rappeler, parce que là, on voit les choses et on se dit, tiens, on voit des choses, donc on pourrait y aller, on prend des fusées très rapides, mais c'est pas si simple que ça. Non, en fait, on l'a dit tout à l'heure, la vitesse de la lumière à l'échelle de l'univers, elle est incroyablement lente, et pourtant, pour nous, c'est une limite indépassable. On n'ira jamais plus vite que 300 000 km par seconde. Et on a dit, même à cette vitesse-là, pour aller à l'étoile la plus proche, c'est 4 ans. Et on est incapable de voyager aussi vite que la lumière. Aujourd'hui, on est à un centième de vitesse de la lumière. Donc on estime que si on envoyait une sonde aujourd'hui vers Alpha du Centaure, c'est l'étoile la plus proche, il faudrait entre 200 et 400 ans avant qu'elle arrive. Et ça, c'est juste l'étoile la plus proche. Et quand on regarde là, on regarde des galaxies qui sont hyper lointaines, à plusieurs milliards d'années-lumière. Donc on ira peut-être un jour près d'étoiles proches, mais ça mettra plusieurs décennies, enfin c'est plusieurs générations, on parle de projets à l'échelle de plusieurs générations, donc on n'est vraiment pas prêt d'y aller. Voilà, c'est pour votre réponse, Joe Pedro. HW qui nous dit, incroyable, c'est fascinant, merci. Un jour on me dira, quelqu'un m'a dit, tu verras en 2029, ils annonceront l'existence d'extraterrestres, je ne le croyais pas, mais je commence à prendre espoir. Guillotine qui nous dit que c'est fascinant et effrayant à la fois. Selon vous, Alain qui vient d'arriver, je pense, qui nous dit, selon vous, qui peut-il y avoir derrière ce qu'on voit? Alors il y a une limite, en fait, le télescope James Webb, il va essayer de voir le plus loin possible, regarder le plus loin dans le passé pour se rapprocher du Big Bang, mais il y a quand même une frontière indépassable. On sait que à peu près 400 000 ans après le Big Bang, enfin du Big Bang jusqu'à 400 000 ans, l'univers est totalement opaque. Il est tellement dense, il est rempli d'hydrogène et d'hélium et des atomes qui sont neutres et qui ne laissent pas passer la lumière. Même s'il y a la lumière qui est émise, elle est absorbée par les atomes, et donc il n'y a aucune lumière. L'univers est opaque pendant 400 000 ans. Et au bout de 400 000 ans, les premières étoiles commencent à exciter le milieu et l'univers et le rendre transparent. Et donc on ne verra jamais au-delà de 400 000 ans après le Big Bang.
Mais d'ailleurs, il y a des télescopes qui ont mesuré ce début de rayonnement. Mais c'est la limite. Alors, Jojo Pedro, on va faire une transition parfaite, qui nous dit pourquoi on ne voit pas le trou noir. Alors, parce qu'il n'y en a pas sur cette photo, mais oui. Vous m'avez dit tout à l'heure que sur celle-là, celle qu'on était sur le début, alors attendez, on va la montrer. Est-ce qu'on peut déjà dire un peu ce qu'on voit sur cette photo? Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le quintet de Stéphane. Quintet, parce qu'en fait, il y a cinq galaxies. C'est Édouard Stéphane, c'est un astronome français qui en 1878, je crois, a vu pour la première fois ce regroupement de galaxies. Alors, c'est pas la vue la plus explicite. On en a une dans une autre couleur qui montre mieux la forme de ces galaxies. Et en fait, c'est des galaxies qui sont en train de se rentrer dedans, qui sont en collision. Donc, il y a des interactions incroyables avec elles sont en train de tourner autour et de se perturber. Et on voit sur celle qui est en haut de l'image, avec il y a un point lumineux très fort, enfin plus brillant que les autres. C'est pas une étoile, c'est l'activité provoquée par un trou noir au centre de cette galaxie. Et donc c'est une découverte du James Webb. C'est un instrument qui a été conçu. On peut faire cocorico parce que c'est un astronome français qui a poussé pour que cet instrument soit installé sur le James Webb. Les Américains disaient non, c'est trop compliqué, on ne sait pas faire, il faut le refroidir à des températures trop froides. L'instrument est là et aujourd'hui ça fonctionne de manière magnifique. Et donc on voit ce trou noir qui est actif et enfin on voit pas le trou noir. On l'a dit tout à l'heure, on ne le voit pas. Il courbe la lumière, il l'empêche de sortir. Donc on voit pas le trou noir lui-même, mais on voit la matière qui tourne autour et qui est accélérée et qui chute à l'intérieur. Et avant le moment de tomber. L'accélération est telle que ça produit des rayonnements assez forts et très énergétiques. Et c'est ce qu'on voit là dans l'infrarouge. Alors, on a beaucoup, beaucoup de questions. On va essayer de vous répondre à tous. Déjà, Guillotine qui nous dit, les personnes qui apprécient la vidéo, n'oubliez pas de liker, pouce bleu, effectivement. Abonnez-vous aussi sur notre page YouTube. N'hésitez pas pour voir d'autres live science comme celui-là. On en fait souvent. Alain qui nous demande, est-ce que tout cela se rapproche ou s'éloigne? Alors, il y a, de manière générale, les galaxies, quand on regarde des galaxies un peu au hasard dans l'univers, on a l'impression que la majorité d'entre elles s'éloignent. Et en fait, c'est pas parce qu'elles... Enfin, c'est un effet qui prouve que l'univers est en expansion. Donc ça, c'était une découverte importante du début du XXe siècle. C'est comprendre que l'univers n'est pas figé, n'est pas stable, n'est pas statique, mais il est en expansion continue, et les galaxies s'éloignent les unes des autres. Vous allez me dire, mais dans un univers infini, comment on peut être en expansion? Là, je fais appel à une image que proposait Hubert Reeves, l'astronome canadien, qui écrivait, en fait, il faut s'imaginer un pudding. Lui, il est canadien, donc il parle de pudding plus que de gâteau, mais une pâte à gâteau qu'on met dans un four avec des pépites de chocolat. Quand le gâteau gonfle, le gâteau cuit, ça gonfle et ça s'étend. Et les pépites du chocolat à l'intérieur du pudding, eh bien, en fait, elles s'éloignent les unes des autres. Et donc, les galaxies dans l'univers, aujourd'hui, c'est comme dans un gâteau qui est en train de monter, qui est en train de cuire et de souffler. Parce qu'il y a de plus en plus de vides qui écartent les objets entre eux, en fait. Ouais, on peut dire ça. Exactement. Ouais. Donc, on est en train, les composants de l'univers s'éloignent les uns les autres. Et donc, la majorité des galaxies s'éloignent. Alors, on a Alain qui nous demande comment, parce que c'est toujours la grande question, parce que là, on a découvert combien de galaxies, là, grâce à ça? Est-ce qu'on sait combien de... Sur l'image, j'ai pas compté, mais il y en a littéralement des milliers. Hein. Enfin, chaque point lumineux là sur cette image-là, c'est une galaxie. Donc, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des points lumineux qui sont entourés par des étoiles à six branches là. C'est ce qu'on appelle des aigrettes. En fait, c'est des artefacts du télescope. C'est la forme des miroirs qui sont hexagonaux, qui créent ces formes de diffraction. Et ça, c'est les étoiles qui sont proches, qui sont dans la Voie lactée. D'accord. Donc, en fait, les choses les plus visibles et les plus... alors, peut-être pas le plus beau, mais les choses les plus visibles facilement sont les choses les moins intéressantes sur cette photo, finalement. Oui, et c'est les choses que les astronomes vont essayer d'effacer. Ces grandes formes à six branches, là, les aigrettes, il y a du boulot pour les effacer et essayer de voir s'il n'y a pas des informations cachées derrière des galaxies qui s'y cache. Alors, je vais continuer sur la question d'Alain, parce qu'il ne m'a pas demandé combien il y avait, il m'a demandé comment on va les nommer, toutes ces galaxies. Ah ben, aucune chance qu'on les nomme toutes. Aucune chance. Alors, il y en a une qui est très déformée, qui est orange sur le... Voilà, celle-là. Elle a déjà un surnom sur Internet.
en France, sur Twitter, en tout cas. Et en France. Voilà, il y a un astronome français qui l'a surnommé la galaxie du béret. Et je vous laisse deviner pourquoi, mais en fait, ça, c'est une galaxie qui est hyper lointaine et qui a été déformée par l'effet de l'antigravitationnel. Mais on voit, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit sa structure. C'est-à-dire qu'on voit, la forme, on voit que c'est une forme en spirale qui a été déformée. Et, c'est que le James Webb qui le rend possible, ce genre de vision. C'est extraordinaire. On a d'autres questions. HW qui nous dit « Mais si les galaxies s'éloignent infiniment les unes des autres, qu'y a-t-il au centre ?» Alors, il n'y a pas de centre. Parce que dès la création, juste après le Big Bang, l'univers il est déjà infini. Et il a pas de limite, il a pas de centre. C'est pas une notion avec laquelle nos esprits sont facilement capables d'appréhender. Mais on est très géocentré en tout cas. On est géocentré. Et l'idée de centre de l'univers en fait n'a pas vraiment de sens. Ou alors pour approcher le problème différemment. Il ne peut pas y avoir de centre d'un espace infini. Enfin, oui, puisqu'il se déplace tout le temps, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, parce que de toute façon, au-delà de l'univers, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'espace-temps. Donc ça n'a pas de sens non plus de dire au-delà de l'univers. Enfin, Gabriel me demande justement dans quoi l'univers s'étend-il ? Il s'étend lui-même, mais il ne s'étend pas dans quelque chose. Parce que si il s'étendait dans quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et en fait, non, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Je fais juste que rapporter des choses que je ne comprends pas. Hein. Je suis aussi mal à l'aise que vous avec ces notions d'infini et de... Oui, à un moment, il faut juste les accepter. Enfin, Le monde scientifique, enfin voilà, c'est quelque chose. Dans le monde scientifique, on rappelle que la science n'explique pas forcément tout. Non. Et c'était pas son but, mais c'était d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et surtout, notre esprit n'est pas forcément capable d'appréhender ces notions. Enfin, c'est de la même manière que l'idée qu'avant le Big Bang, c'est pas une question qui a un sens en fait, parce que avant le Big Bang, il y a pas d'espace et il y a pas de temps. Donc du coup, la question d'HW qui nous demande est-ce que ça s'étend dans une direction en particulier ? Dans toutes les directions. Dans toutes les directions, qu'il n'y a pas de centre et qu'il n'y a pas de direction finalement, on peut dire ça. Oui. On a demandé le nom de l'instrument français sur le télescope. C'est MIRI. Alors MIRI, c'est Mid Infrared, j'ai oublié. Et en fait, l'idée du télescope dès le début, c'était de regarder dans l'infrarouge. On en a déjà un petit peu parlé. Pourquoi l'infrarouge ? Parce que l'infrarouge, ça permet de regarder plus loin des galaxies qui s'éloignent justement et qui sont rougies, dont la lumière est rougie. On le voit sur ces images, toutes les images les plus lointaines, elles sont rouges, oranges. Donc ça, c'est le but de départ. Mais l'inconvénient de l'infrarouge, c'est qu'il faut que les détecteurs soient hyper froids. Et c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez déjà vu la tête du télescope, mais il a un énorme bouclier thermique avec plusieurs couches de film doré qui font la taille d'un court de tennis, et qui servent à garder au froid les instruments, les détecteurs. Et en fait, la difficulté que proposait l'instrument MIRI, c'est qu'il fallait le refroidir de manière active. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une pompe cryogénique pour refroidir encore plus froid cet instrument, à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Et la NASA pensait que ça allait être trop compliqué, trop complexe. Et en fait, cet astronome français... Pierre-Louis Lagage, il a convaincu avec des collègues américains qu'il y avait un énorme intérêt à aller plus loin dans l'infrarouge, donc ce qu'on appelle l'infrarouge moyen. C'était l'image qu'on a vue des squelettes des galaxies avec le trou noir tout à l'heure. C'est l'infrarouge moyen. On voit plus la structure, on voit plus les étoiles, mais on voit plutôt les nuages de poussière au centre des galaxies. Et il y a un intérêt aussi pour cet infrarouge moyen, c'est très intéressant pour aller voir encore plus loin dans les premiers âges de l'univers. Et c'est aussi pour faire la spectroscopie des planètes, analyser la composition des planètes. Là, l'infrarouge moyen a un intérêt énorme. Donc ça, c'est un peu une fierté. Fierté française, c'est grâce à un Français qu'on a ces images-là. Ah, il n'est pas seul, hein, il n'est pas seul à avoir vu. Ils sont très nombreux. Mais une partie de l'instrument, la partie du cœur de l'instrument a été construite à Saclay, au CEA. Alors on va continuer sur les questions un peu vertigineuses, on va dire, est-ce que notre univers peut en croiser un autre, si un autre Big Bang a lieu autre part ? Alors là, je ne sais pas si c'est un sens de parler d'un autre univers. Je sais qu'on parle des métavers, donc des univers qui pourraient être les uns à côté des autres, ou un chassé, mais je... c'est compliqué. Aucune idée là-dessus. Je suis totalement incompétent.
Alain qui nous demande, James Webb est-il conçu pour capter ou transmettre des sons ou des résonances? Non, pas de son. C'est vraiment un détecteur de lumière, des lumières infrarouges. Oui, parce que c'est ça aussi, il faut. Est-ce que c'est comme un télescope où on va regarder dans une lunette? Oui, oui, oui. On voit comme dans des lunettes ou comme dans une. Alors, il ne voit pas comme nous, puisqu'il ne voit pas dans le visible. Donc, il ne voit pas. S'il regarde le Soleil, il ne va pas le voir de la même manière que nous. Quand il regarde Jupiter, il ne voit pas, il voit pas les mêmes couleurs que nous, il ne voit pas les mêmes longueurs d'onde. Mais c'est un télescope qui fonctionne avec les mêmes règles qu'un télescope optique qui nous permet de voir le visible. C'est-à-dire qu'il y a un miroir qui concentre les rayons lumineux et qui les envoie vers des détecteurs qui, eux, vont l'enregistrer de manière la plus fine possible. Et il y a plusieurs détecteurs, dont celui dont on a parlé, le MIRI pour l'infrarouge un peu plus lointain. Ulrich qui nous demande, est-ce qu'il serait assez puissant pour zoomer sur une zone précise d'Andromède de sorte à ce que les étoiles d'une branche choisie soient visibles et détaillées? Alors, il y a clairement le potentiel pour ça. Andromède, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des galaxies qui est visible à l'œil nu dans le ciel. Donc, est tellement immense. Donc facile, on peut dire. Facile. Ouais, à l'œil nu, c'est une tache floue. Hein. Il faut avoir déjà des bons yeux. Il y a une nuit très noire, mais ça paraît comme une tache floue. Les plus belles images avec un télescope, ça fait vraiment une très belle galaxie spirale. Elle est à quelques millions d'années-lumière, donc elle n'est pas très loin. Et oui, clairement, le James Webb a le potentiel pour aller sonder la structure des bras, la structure fine, voir les étoiles dans Andromède. Et on a une question de Gabriel. Alors, on en a parlé au début de ce live, mais pouvez-vous expliquer simplement pourquoi nous voyons des étoiles telles qu'elles étaient il y a des milliers d'années? En fait, l'idée, c'est que la lumière voyage lentement. Et donc, quand on regarde un objet, on le regarde tel qu'il était au moment où il a émis la lumière. Donc, si la lumière a mis... l'étoile la plus proche, elle est à 4 années-lumière. Donc, sa lumière, quand on regarde cette étoile, on la regarde telle qu'elle était il y a 4 ans. Donc, si le Soleil s'éteignait, par exemple, on le verrait que... 4 ans après. 4 ans après. Si on était sur Alpha du Centaure, oui. D'accord. Et donc, si on regarde une étoile qui est plus lointaine, à 100 années-lumière, on la voit en fait telle qu'elle était il y a 100 ans. Donc, si on regarde une planète autour de... Je ne sais pas quelle planète autour de 100 années-lumière, mais on la verrait telle qu'il y a 100 ans. Donc, on voyage dans le passé. Et quand on regarde encore plus loin, à des milliards d'années, on se rapproche du Big Bang, on se rapproche des débuts de l'univers. Donc, on voit des galaxies et des étoiles plus anciennes. Alors, c'est physiquement impossible. Mais si, ça veut dire que si on se téléportait actuellement à 13 milliards d'années-lumière sur la galaxie qu'on a vue tout à l'heure et qu'on regardait la Terre, très précisément, on la verrait telle qu'elle était il y a 13 milliards d'années aussi. Donc, on la verrait pas. Elle n'existe pas. Effectivement, c'est bien. J'avais oublié de suivre ce moment. Alain qui nous demande si nos livres d'astronomie sont-ils en passe d'être obsolètes. Pour certaines découvertes, oui. Enfin, le... C'est vraiment une révolution. Oui, c'est une révolution. Enfin, on l'a vu sur la première image, celle avec les galaxies lointaines. Le graal de l'astronomie moderne, c'est de voir et d'observer la première génération d'étoiles. C'est les premières étoiles qui se forment après le Big Bang. Et c'est hyper intéressant parce que c'est les étoiles qui sont formées avec les éléments créés par le Big Bang. Le Big Bang, il forme hydrogène, hélium et un peu de lithium, donc des éléments très légers. Et avec ces éléments-là, il a fallu construire les premières étoiles. Le problème, c'est que nous, on n'a pas trop de modèles qui arrivent à les former, ces étoiles. Alors qu'on sait qu'elles existent parce qu'on est le résultat de plusieurs générations. Donc les premières générations d'étoiles, éléments légers, c'est les étoiles qui sont massives, énormes, on imagine très lumineuses, mais qui ont une durée de vie très courte. Une étoile, plus elle est grosse, plus elle brûle vite son carburant, donc moins elle dure longtemps. Donc c'est des étoiles qui durent quelques millions d'années. Et qui, en fin de vie, elles ont produit, en fait, par la réaction thermonucléaire dans leur cœur, des éléments plus lourds. Et si elles explosent en fin de vie, elles produisent à ce moment-là encore des éléments plus lourds, des atomes, le fer, le carbone, qui vont enrichir les générations suivantes. Et donc nous, on a notre Soleil, il est composé d'hydrogène et d'hélium, mais aussi beaucoup d'éléments lourds, issus d'une autre étoile précédemment. Qui sont issus de la mort d'étoiles précédentes. Donc il y a des générations d'étoiles comme ça, et on cherche à voir la première génération. Et donc le James Webb, s'il arrive à faire ça, ça va être une vraie révolution dans la compréhension de la formation de l'univers et de ses premières étoiles. Est-ce que c'est ça qu'on voit sur ces images? Là, en fait, on s'est beaucoup rapproché
et on voit une étoile mourante dans notre propre galaxie. D'accord. Donc là, on est sur notre galaxie et on est sur le Soleil qui est en... On est au centre. Là, au centre, on a une étoile qui brille encore. Et en fait, ce n'est pas celle qui est morte. On est à 2000 années-lumière de la Terre, donc on n'est pas très loin. On est vraiment dans la Voie lactée. On en parlait tout à l'heure, notre galaxie. On est dans... Assez proche. Un des bras de la spirale qui est tout proche de nous. Et ce qu'on voit, c'est les nuages de gaz et de poussière qui sont émis quand l'étoile est morte. Et là, elle a éjecté une grande quantité de matière. Il reste de la chaleur au centre qui continue à l'activer, à l'exciter. Donc c'est la lueur bleue qu'on voit au centre. C'est cette bulle de gaz qui a été chauffée et qui est en fait en expansion. Et on voit, le truc incroyable avec le James Webb, c'est qu'on voit dans la zone un peu brune, marron autour, on voit des lobes. Je ne sais pas si vous voyez, on voit des structures. Alors, avec des vides. Qu'est-ce qu'on appelle des lobes ? Poches, en fait, des poches plus ou moins vides, voilà. Est-ce que c'est ça ? Oui, des irrégularités, oui, oui. Et ça, en fait, c'est des endroits dans lesquels il y avait plus ou moins de gaz et la lumière arrive à chauffer et à passer au-delà. Donc on voit, en fait, les irrégularités dans la coquille de gaz qui était éjectée par l'étoile. Et sur ça, c'est la première vue qui est l'infrarouge proche. Et à droite, c'est la vue par MIRI, donc l'instrument en infrarouge un peu plus lointain. Et on voit au centre, qu'est-ce qu'on voyait ? Deux étoiles. Et en fait, on voit l'étoile mourante en rouge. C'est celle qui a éjecté toute cette quantité de gaz et de poussière. Et son compagnon, qui est une étoile qui n'est pas encore en fin de vie. Et si elle meurt, elle fera une deuxième coquille qui va faire une coquille double. Donc on est en train de voir les conséquences de la mort d'une étoile, mais on est là c'est le voisinage de la Terre, hein, et c'est extraordinaire parce que c'est ce déplacement du nuage de gaz dans le milieu interstellaire, ben, il intéresse énormément les astrophysiciens parce que on sait que c'est comme ça aussi que les étoiles en fin de vie, elles ensemencent le milieu autour d'elles pour créer après des générations d'étoiles plus et des systèmes planétaires, parce que quand il y a une étoile qui se forme aujourd'hui, elle est entourée d'un nuage de gaz et de poussière. Nous, ça nous intéresse parce que c'est ça qui forme les planètes. Et donc la Terre, elle est issue d'un nuage de gaz et d'éléments un peu plus lourds. Ben, sinon, on n'a pas de... On est un peu comme sur... Alors, on va... Voilà, mais je ne sais pas si l'analogie est bonne, mais est-ce que c'est comme si on était sur des plantes qui mouraient et qui en faisaient redoutre d'autres grâce à leur semence ? Oui, oui, oui. Il y a vraiment l'idée d'ensemencement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on parle de génération. C'est vraiment des... C'est la vie et la mort d'une étoile qui permet à des générations suivantes de s'enrichir d'éléments nouveaux. Donc c'est un enchaînement et on n'est pas loin d'un processus biologique, enfin pas biologique parce que y a pas de, c'est pas contrôlé, mais c'est une bonne analogie. Est-ce que, on a une question d'Alain qui nous demande, est-ce que James Webb pourrait se retourner pour faire un selfie de notre amas de galaxies ? Et comme ça, on peut dire un peu où est-ce qu'est James Webb actuellement par rapport à nous ? Alors, James Webb, il n'a pas fait... Il peut pas vraiment se retourner. Enfin, il peut pointer dans toutes les directions du ciel. Hein. Il est loin de la Terre. Il est à 1,5 million de kilomètres. Il est sur une orbite assez lointaine, un point qu'on appelle le point de Lagrange. C'est un des points d'équilibre autour du Soleil, entre la Terre et le Soleil. Et donc, il n'y a pas de zone du ciel qu'il ne puisse pas regarder. Voilà, mais il peut regarder loin. Et là, on est l'image qu'on a vue, l'image précédente. Là, ça c'est les phases d'essai aux États-Unis avant le lancement. Et on voit en bas le bouclier. En jaune, c'est les miroirs du télescope, donc ils sont recouverts de très fines couches d'or. Ils sont hexagonaux parce qu'on ne sait pas faire un miroir d'une seule forme de 6,50 m, de manière très légère. En plus, il était replié pour que ça rentre sous la coiffe de la fusée Ariane 5. Et ces tests, ça a été la partie la plus longue de la mission, en fait. Ça a duré des années et des années. Le télescope, il a fini d'être construit en 2016, lancé 25 décembre 2021. Et entre-temps, ben, ils ont tout testé pour être sûr que ça marche. En fait, c'était d'une telle complexité. C'est ça qui a augmenté le coût et qui l'a rendu aussi cher. Ça coûte... 11 oui. milliards de dollars. Là, on voit les films et les différentes couches du bouclier thermique qui protègent, donc qui permettent au télescope de rester hyper froid. Oui, parce que ce... Et voilà, là, le miroir est déployé. Il y avait un ancien télescope, on peut dire. C'est le télescope
Hubble. Oui. Alors, on va vous montrer peut-être cette image. Voilà, je vais vous montrer cette image. Donc ça, c'est l'image qu'on a actuellement, qui a été prise récemment. Ça, c'est celle du James Webb. C'est oui. celle du James Webb. Et ça, c'est celle de Hubble, il me semble. Oui. Alors, est-ce que c'est le même... Non, c'est pas le même champ. Alors, peut-être... C'est pas le même champ, mais c'était un des champs profonds de Hubble, sans lentille gravitationnelle. Mais en fait, quand on regarde l'image précédente avec les arcs et les... En fait, on voyait très... Avec Hubble, on voyait 4-5 objets déformés par la lentille gravitationnelle. D'accord. Sur cette... Donc, on a le même champ, mais beaucoup moins précis, beaucoup moins fin, et avec seulement quelques arcs. Là, on en a des dizaines et des dizaines. C'est-à-dire qu'on a accès à des détails, et on voit les détails dans les arcs, hein, qui étaient juste des... Avant, sur Hubble, c'était des très flous. Effectivement, donc voilà, c'est pour ce qui changeait. Jokos qui nous dit « La Terre est insignifiante, mais c'est notre maison, effectivement. » Alors, j'ai vu plusieurs commentaires comme ça, qui nous dit que, voilà, on se sent bien petit quand on parle de tout ça. Gabriel qui nous dit « Est-ce qu'on pourrait quantifier la taille à un moment précis de l'univers si on en avait les moyens ?» Non, parce qu'il est infini, donc pas mesurer l'infini, mais... Alors, j'avais une autre photo, parce qu'on a vu cette image, on vient de voir celle-là. Oui. On va montrer une autre, alors c'est celle qui faisait la une du Figaro aujourd'hui. Je pense que c'est l'une des plus jolies. Oui, c'est vraiment la plus belle. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On a l'impression de voir une montagne, un ciel étoilé, de la poussière... Alors on est encore une fois dans le voisinage du système solaire. On n'est pas très loin. C'est-à-dire qu'on est encore dans la galaxie et on voit une pouponnière d'étoiles. Cette masse brune orangée, en fait, c'est des nuages de gaz et de poussière dans lesquels naissent des milliers d'étoiles. Et en fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est les étoiles en fin de vie. Elles meurent, elles éjectent des gaz et de la poussière qui vont à leur tour ensemencer les générations suivantes d'étoiles. Et là, on est dans une région de la Voie lactée, de notre galaxie, où il y a plus de gaz et plus de poussière qu'ailleurs. Et c'est une zone où il y a vraiment une forte activité qui permet la naissance d'étoiles. C'est une région qui avait déjà été prise en photo par Hubble. Ça fait partie des photos un peu iconiques d'Hubble. Avec ce genre de paysage, c'est vrai, très, très... Et là, l'immense nouveauté, donc c'est les détails, la finesse de détails qu'on arrive à avoir dans ces nuages de gaz. On arrive, grâce à l'infrarouge, à déterminer la structure, à voir c'est comme si avant, on voyait le profil de la montagne, on voyait avec Hubble, on voyait le contour de la montagne. On va le montrer en même temps, parce que alors il y a un chercheur, Eric Lagadec, qui en parle beaucoup sur Twitter. On vous conseille d'ailleurs son compte Twitter. Donc ça, c'est l'image qu'on a actuellement. Avec le James Webb. Ouais. Avec le James Webb. Et ça, c'est l'image d'avant. Voilà. Et en fait, on voyait le contour, mais on voyait aucun détail dans la région qui nous intéresse. C'est la région avec de poussière qui est en bas de l'image. Et donc là, on voit tout de suite le gain de l'infrarouge qui permet qui fait un peu comme une échographie de l'infrarouge. Enfin, lui, les capteurs infrarouges, pour schématiser, sont plus sensibles à la poussière qu'au gaz. Donc avec Hubble, en gros, on voyait plutôt le gaz. Et avec le James Webb, on voit la poussière. Et là, on voit des structures qui sont d'une finesse incroyable, qui sont d'une complexité. Si on zoome un petit peu dans la partie brune, là, n'importe où, On va le faire, mais sur notre image. Sur notre image, oui. Parce que comme ça, on pourra... Parce que, voilà. On se rend compte, en fait, on a un niveau de détail qui est mais juste hallucinant. On voit les zones de vide, les zones plus riches en gaz, on voit les petits points lumineux, là, c'est les étoiles qui sont jeunes, qui sont en train de naître. Donc c'est fou de pouvoir autant zoomer. Alors moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai téléchargé ces images pour préparer ce live. Ouais. On a des images d'une définition incroyable sur des objets qui sont extrêmement lointains. Oui, et ça c'est rendu possible par plusieurs choses. La première, c'est évidemment la taille. Quand on a un grand miroir, on collecte plus de lumière et on arrive à voir des détails plus fins. Donc ça, c'est la résolution. Et les autres choses, c'est qu'il est dans le télescope, il est dans un environnement hyper stable. Donc il est loin de l'attraction terrestre, il est à 1,5 million de kilomètres. Il est, ce qui fait que ça a été un peu la surprise pour les astronomes, il est son pointage est extrêmement précis et stable. Donc l'image n'a pas bougé, donc la qualité est incroyablement...
net. Combien il faut de temps de pause pour une photo comme ça? J'ai pas le temps exact pour celle-là, mais pour celle où on voyait les galaxies lointaines, c'était 12 heures. D'accord. Donc en fait, pendant 12 heures de pause. Voilà, c'est comme si, alors vous, quand vous avez votre téléphone, pour les non-initiés, quand vous prenez votre téléphone, vous appuyez sur le bouton, ça prend la photo. Là, on appuie sur le bouton, on attend 12 heures. Non, et... en fait, c'est un peu plus compliqué. On met des filtres successifs devant le capteur. Et on fait 2 heures par filtre. Il y avait 6 filtres, je crois, sur l'image. Et après, on les superpose. On superpose les filtres pour avoir les différentes couleurs, les différentes longueurs d'onde. Effectivement. Mais c'est ça l'idée. Et là, je pense que c'est aussi une pause de l'ordre de la dizaine d'heures. J'ai plus le chiffre exact. Donc ça, c'est des étoiles qui En bas, les points bleus là, lumineux, c'est des étoiles qui sont des jeunes, très jeunes étoiles qui naissent dans cette pouponnière, dans cette région qui est en train de créer plein d'étoiles. D'accord. Donc, et quand on dit jeune, parce que justement, on avait une question. Jeune, c'est quelques millions d'années. Voilà. On a une question de. C'est jeune, voilà. Tout est relatif dans ce sujet, bien évidemment. Ulrich, il nous demandait, est-ce que on pourrait voir des galaxies ou des étoiles qui n'ont que quelques millions d'années où leur lumière ne nous est pas encore parvenue? Alors, leur lumière ne nous est pas encore parvenue, peut-être, mais. Quelques millions d'années, c'est un âge assez courant pour pas mal d'étoiles. On a dit les étoiles les plus grosses ont des durées de vie courtes. Donc quand on voit une étoile qui est très grosse, très massive, on sait qu'elle a forcément moins de 100 millions d'années. Donc elle est jeune. En revanche, une petite étoile plus petite que le Soleil, brune, qui émet peu de lumière, elle, ça se trouve, elle peut avoir plus de 10 milliards d'années. Parce qu'elle brûlera son carburant beaucoup plus lentement. Effectivement. Donc on a vu ces images. Alors on avait des questions, alors je vais essayer de la retrouver. Une question exoplanète. Alors on va bientôt découvrir une atmosphère similaire à la Terre autour par exemple de l'étoile Kepler, vu qu'on a pu étudier l'atmosphère de WASP-96b. Alors je ne sais pas si c'est celle-là. Si, WASP-96b, oui. Voilà. Alors là, comme ça, c'est moins incroyable, c'est moins impressionnant, ça semble un peu plus jargonneux, mais est-ce qu'on peut essayer de comprendre un peu ce qu'on voit ici? Oui, en fait, c'est marrant, nous on s'extasie sur la beauté des images. Les scientifiques s'extasient devant ça. Je schématise, mais c'est un peu vrai. En fait, ce qui intéresse les scientifiques, c'est la décomposition de la lumière avec les différentes longueurs d'onde, donc ce qu'on appelle un spectre lumineux. Comme quand on fait passer la lumière du soleil dans un prisme, ça fait un arc-en-ciel. Donc ça décompose la lumière dans toutes ses composantes, toutes ses lumières, ses couleurs différentes. Et bien, le télescope, il fait ça dans l'infrarouge avec une finesse incroyable. Et là, on a analysé la lumière qui vient d'une étoile qui est à 1000 années-lumière et qui traverse l'atmosphère d'une étoile qui passe devant. Pardon, d'une étoile, non, d'une planète. Bête. Donc il faut imaginer une étoile de type solaire, comme le Soleil, avec une planète qui passe devant et qui rentre dans la ligne de visée entre nous et l'étoile. Et donc la lumière qui traverse l'atmosphère de cette étoile, on l'analyse avec le James Webb. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voyait des pics et des bosses et des creux. Et en fait, pour les scientifiques, c'est quelque chose de très parlant. Et on voit notamment la signature de l'eau. Donc il y a de l'eau sur cette planète. Donc il y a de l'eau dans l'atmosphère de cette planète. On sait aussi qu'il y a des nuages. Parce que dans certaines longueurs d'onde, l'amplitude du signal qu'on attend de l'eau, elle est un petit peu atténuée. Donc elle est absorbée par des nuages. Donc c'est une planète qui est chaude, parce qu'elle est proche de son étoile. Elle est gazeuse. Et son atmosphère contient de l'eau. On en parle comme d'une Jupiter chaude, c'est ça? Oui, c'est une Jupiter chaude. Elle fait la moitié de la masse de Jupiter. Donc Jupiter, c'est quand même la plus grosse planète de notre système solaire. C'est 300 fois la masse de la Terre. Donc là, j'imagine qu'on est autour de 150 fois la masse de la Terre. Et pour faciliter l'observation, en fait, on a choisi une étoile qui passe hyper proche de son étoile. Elle fait le tour de son étoile en 3 jours et demi. Donc c'est une révolution, c'est 3 jours et demi. Donc tous les 3 jours et demi, elle passe devant l'étoile et on peut regarder une occultation, on appelle ça un transit en astronomie, et mesurer la composition. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, le spectre, il a été fait il y a 3 jours. Une pause, directe, le spectre est arrivé et il n'y a presque pas de traitement pour arriver à ce résultat-là et voir la signature de l'eau. Donc en fait, on sait que l'instrument fonctionne parfaitement. Et maintenant, le défi, c'est d'aller faire ce type d'analyse sur les planètes qui nous intéressent plus, des planètes rocheuses, qui ressemblent un peu plus à la Terre. Planète gazeuse, on peut pas mettre le pied dessus. Non, planète gazeuse, c'est juste une boule de gaz, c'est une grande majorité d'hydrogène. Et c'est comme Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, et il n'y a pas de surface. Donc c'est une boule de gaz qui est trop petite pour
pour s'allumer en étoile. Donc, juste pour répondre à certaines questions, on ne pourra pas y vivre, en tout cas. Non, celle-là, non. Mais on a une détection qui a, pour arriver à ce genre de résultat avant avec Hubble, avec les autres télescopes spatiaux, il y en a un dans l'infrarouge qui s'appelait Spitzer, c'était parfois des semaines de pause et vérification. Là, c'est une pause, un spectre instantané d'une qualité incroyable. Donc vraiment, il y a un programme d'observation qui est porté aussi, sur lequel travaillent les astronomes français, qui va visiter un système planétaire qui s'appelle TRAPPIST-1. Il s'appelle TRAPPIST parce qu'il a été découvert par des astronomes belges qui aiment bien la bière. Et ce système, il a une grande particularité, c'est qu'il abrite 7 planètes qui sont toutes rocheuses, dont certaines une taille proche de la Terre, et qui tournent autour d'une étoile assez petite et pas trop loin de la Terre. Donc je crois que c'est 40 années-lumière. Donc donc ça va faire une cible pour le James Webb de premier choix. Et je crois qu'il y a déjà 200 heures d'observation qui sont prévues pour observer toutes les planètes de ce système et essayer de détecter les traces d'atmosphère. Parce qu'une planète rocheuse, on n'est pas sûr qu'il y ait une atmosphère. Oui, mais on regarde Neptune, on regarde dans le système solaire, Mercure, une planète rocheuse, mais elle est trop proche de son Soleil et elle n'a pas d'atmosphère. Donc on va essayer de voir l'atmosphère et sa composition de ces planètes-là. Comment trouver effectivement ces planètes-là? N'hésitez pas à poser vos questions, on ne va pas tarder à arrêter quand même, puisque ça fait bientôt une heure qu'on est en direct. Ce télescope James Webb, qui a été lancé du coup fin décembre, oui. Il va continuer sa mission pendant combien de temps? Alors en fait, il avait une mission nominale, donc c'était la durée minimale pour laquelle il a été conçu, c'était 5 ans. Après, là, en fait, le lancement par Ariane 5, donc c'était le 25 décembre en Guyane, l'a mis sur une position et une vitesse tellement parfaite par rapport à ce qui était prévu qu'on sait qu'il a gagné à ce moment-là le double, que ça sera au moins 10 ans. Et après, la mise à poste, donc c'est la manœuvre du télescope pour le mettre à son orbite finale à 1,5 million de kilomètres. Pareil, il a consommé très peu de carburant. Ça se déroule de manière parfaite. Et donc là encore, on gagne au moins 5 ans. Donc on parle... Parce que la limite, c'est le carburant dont on a besoin pour le pointer et pour le garder toujours avec le bouclier vers le soleil pour pas qu'il chauffe. Et tout ça, il y a plein de petits moteurs avec du carburant. C'est entre autres ça qui détermine la durée de vie. S'il y a une panne aussi, tout peut s'arrêter. Mais pour le moment, tout fonctionne parfaitement. Donc... au moins 15 ans. On espère, vu combien il a coûté quand même 11 milliards de dollars, on espère qu'il va durer longtemps et qu'il va fonctionner. Mais en revanche, on est sûr qu'il ne durera pas aussi longtemps que Hubble. Hubble, il était lancé en 91, il fonctionne toujours, plus de 31 ans après. Il marche de manière merveilleuse encore. Mais ça a été rendu possible parce qu'il était en orbite autour de la Terre et qu'il a pu être réparé par des missions en navette spatiale. Là, le James Webb, il est trop loin. On ne pourra jamais aller réparer s'il y a une panne. Voilà. Effectivement, ça va être plus compliqué pour ce télescope qui a coûté très cher, on le disait. Qui c'est qui a payé? C'est parce qu'on a parlé de Joe Biden qui a donné l'annonce en avant. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a quand même financé? Oui, en fait, c'est une collaboration internationale, mais le gros du financement, c'est les États-Unis, c'est la NASA. Sur les 11 milliards, il y en a 10 qui ont été payés par les contribuables américains. En fait, au début, le télescope, il devait coûter 1 milliard quand il a été conçu, 1 milliard de dollars. Et l'Europe a dit, nous, notre contribution, ça sera, on participe un petit peu à quelques instruments, comme MIRI, on en a parlé, et on fournit le lancement. Donc on vous donne une fusée Ariane 5 pour lancer. Une fusée Ariane 5, ça coûte moins de 200 millions d'euros. Donc la contribution européenne, on a une participation au projet avec du temps d'observation, parce qu'on a dit au début, on participe en donnant le lancement, mais au final, comme le coût a explosé, parce que les Américains n'ont pas réussi à le construire, ils avaient trop de tests, et c'est le coût a explosé pour les Américains. D'accord, le surcoût a été pris pour eux. Oui, c'est les Américains qui ont pris le surcoût. Enfin, Alors que nous, on a toujours le même pourcentage de... C'est pas complètement vrai. Pour les Européens, il y a eu le temps de développement très long a quand même coûté cher, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant des années sur ce télescope, alors qu'il devait partir. La première date de lancement, c'était 2010 ou 2011, donc on est en... Il est parti 10 ans après, donc toutes ces années de retard, c'est des gens qui continuent à travailler, donc des salaires. Il y a eu aussi un surcoût pour l'Europe, mais pas du tout à la mesure de ce que ça a été pour les États-Unis. Pendant 10 ans,
Tous les autres programmes d'astronomie aux États-Unis ont été figés, bloqués, parce qu'il fallait financer le James Webb. Il y a justement un article dans le Figaro ce matin qui dit qu'il y avait beaucoup de critiques, on se demandait si ça valait le coup et tout. Aujourd'hui, ça a été balayé. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne qui... qui oserait critiquer ça. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y avait des astronomes qui disaient « ça coûte trop cher, on n'est pas sûr de savoir le faire ». Ça risque de ne pas fonctionner, le miroir, est-ce qu'il va bien se déployer, les boucliers, que tout ça, ce déploiement se déroule de manière parfaite. Il y a des gens qui disaient, on n'est pas capable de le faire, c'est trop compliqué, il faut arrêter. Et donc le programme a été sauvé aussi parce qu'il y a eu, la NASA a mis des gens hyper compétents pour gérer le programme et le sortir de son... Il était embourbé dans des difficultés techniques. Et quel est l'agenda maintenant pour ce télescope, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on recevra de nouvelles images? Et bien là, en fait, les observations, elles commencent. Les observations scientifiques, elles commencent. Jusqu'à hier, on était dans la phase de ce qu'on appelle de commissionnement, de mise en service des instruments. Donc on vérifiait que tous les instruments fonctionnaient parfaitement. Et donc cette phase est terminée. Et donc les ingénieurs et les techniciens, et maintenant, tout le télescope, tout le temps de télescope va servir à des observations scientifiques. Et donc, depuis plusieurs années, il y avait des milliers d'astronomes du monde entier qui ont fait des propositions pour des observations. Et il y en a quelques-uns qui ont été retenus, qui ont eu de la chance. Et comme l'observation des planètes trappistes, des planètes rocheuses. Et donc, les observations, là, ça y est, elles commencent. Et les résultats vont arriver dans les semaines qui viennent. Enfin, déjà, la première image là, qu'on a vue avec les galaxies lointaines, rien que cette image, cette seule image... On estime qu'il y a plusieurs mois de travail pour en extraire toutes les données possibles. Donc, et c'est une seule image. Oui, voilà, à traiter. Traiter, comprendre, analyser la déformation de la lumière par l'amas, déterminer la masse de cet amas de manière très précise, enfin, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. 12 heures de photos pour 3 ans de travail. Mais presque. Donc en fait, les données vont arriver de manière très rapide. Une grande partie d'entre elles seront disponibles pour la communauté internationale sans barrière, c'est-à-dire qu'elles seront libres d'accès pour tous ceux qui veulent les analyser. Donc ça va être une moisson on va voir dans les mois qui viennent des découvertes, des annonces, ça va être fantastique. Donc en fait, il faut s'habituer à voir ce genre d'images et à avoir beaucoup d'images aussi magnifiques que ça. J'espère, oui. J'espère qu'on ne s'habituerait pas et qu'on restera, ébloui par ça. Merci en tout cas, Cyril. Comme vous avez compris, on aurait pu rester ici pendant des heures pour en parler parce que c'est vraiment vertigineux, incroyable. Merci à vous en tout cas d'avoir été très nombreux avec nous. Merci Cyril d'avoir été... Merci Vincent. D'avoir été avec nous. Vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Elle sera disponible en replay comme d'habitude, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives sur Figaro Live. Et en plus, quand il y aura des nouvelles découvertes... Je pense qu'on aura quelqu'un pour en parler en plus. Oui, très volontiers. Super, merci beaucoup Cyril. À bientôt pour nos lives sur Figaro Live.